Premier ministre Gary Conil fait tout le monde saisir. Il y a une délégation qui accompagne PM nan pour aller dans notre pays pour chita parler avec l'autorité locale et puis faire coup de pied sur le canal peuple avec la diaspora fait dans Wana maintenant. En pile parole parler, à travers la décision sa prémisse nan prend pour aller sur le canal Wana maintenant, l'autorité dominicaine n'est pas content du tout. Yo pas content parce que gouvernement ça a approuvé yo d'accord avec canal. Bon, dans dossier CAS là lui-même, la justice libéré Edwin Tonton avec tout comptable là, dégradé un comptable en chef. Yo t'ai arrêté yo après yo rapport ILCC. Moun sa yo t'ai impliqué dans corruption avec trafic balle pour voir les bandits. Et puis, ils ont libéré les gens. Entre temps, qui devait nous connaître, la police commençait à m'arrêter pour crabe, madame bandit. Grand pile femme là, qui c'est madame chef gang, la police a cherché pour marier. Belle dame, ça regarde sur l'écran là, lui c'est madame chef gang, qui est le baby, qui a dirigé Bisoton 53, dans la commune Carrefour. Madame Ganglan lui parlait. Li bay tout détail sur relation li genye avec chef gang Baby. Yo arrêté elle, bay tout vérité, li avoué que oui, mais c'est madame Baby. Mais pour qui raison, il était entré dans relation avec chef gang là. Regardez la vidéo ça jusqu'à la fin. On prend ba nou plus d'état avec précision. M'a demandé pour like. Abonnez, pèsez sous cloche notification, retirez le sous personnaliser, mettez sous tout pour les n'avons vidéo pour pas rater. Même toujours dit nous même dans production 69, nous pas faire nouvelle, c'est nouvelle que nous baille. Ma bande droite, dans dossier qui fait actualité, côté DCPJ, Marie Toko Crab, madame yo chef gang. Et puis tout ça après, dans entrée droite, notre dossier premier ministre qui débarque dans notre pays avec ton délégation. Raïcha Zouchita, on a regardé, femme ça, on regarde sur l'écran là, qui c'est madame chef gang Baby Bisoton 53. Dame ça, Lirele et Géraldine Jean, alias Adine, c'est une jeune femme 25 l'année. Qui a un petit 6 l'année sous bois. Il remet avec Bandia pour situation difficile, pour gagner la bien gérer, pour gagner la cabale les bois, pour faire face avec mauvais vent la vie. On regarde la vidéo ça, après ça, je vais tourner pour plus de détails. Géraldine Jean, alias Adine, dans date jeudi 8 d'août 2024, association malfaite, connexion à complicité li avec chef gang, Pamio, gang qui a opéré dans Fontamara, c'est quelqu'un de chef accusation qui pesait sous dos Adine. Comment est-ce que vous avez été mis au fond de cette année? À peine 6 mois, bien 7 mois. Et ça fait la combattante de vous en faire? Ouais. Ça fait tout ça, vous avez été mis au fond. C'est parce que côté de vous était avant, ma tête était là, ma vie me répondait à vous en faire. Ça fait tout ça, vous avez été mis au fond. Je suis venu avec un ami mon premier lieu et puis je suis venu avec un ami dans 53. Je suis vraiment un parent qui a aidé mon travail. Géraldine Jean avoue les ménages Baby et Sikoni qui se chef gang dans la zone Bisoton, commune Kafou, et puis explique comment la relation a commencé avec chef gang criminel ça. Géraldine, pour qui ça a là, je dis là, et comment on fait là? Donc, le clair qui dit que c'est madame Baby. Chef captif, je sais pas toi. Le nouveau barème, je vais le faire. C'est un peu comme ça. Même si le barème l'a dit, encore.
25 l'année, maman yon petite fils 6 l'année. Malgré l'âge li, ak an pile avenir li te gen devan, Géraldine seulement contente elle sur l'argent la bénéficie nan mes chef gang bizoton an, baby. Et lui même ça nan maman sa matin ki paye l'école pour moi qui te barre mon besoin li te pran ba moi. L'école? Yon mwen ta pa pran une tresse africaine. Pour ça qui gen awe ak rapol développé ak l'autre mob nan gang nan, Adine déclaré li te seulement kon constater nèg ak zam kapre le baby chef nan zone bizoton an. Comment on a passé 29? Oui, soldat Lyon. Ou comme soldat Lyon? Je ne connais pas tout, mais qui me connaît, je connais elle. Elle a la cause à la marche, non? Elle est à l'aise? Non, je ne connais pas la marche, non? Ça marche que tu vas bien? Oui. Après plusieurs mois, Géraldine Dill t'est passé une relation avec ménage li chef gang bizoton en baby. Malgré l'argent li t'a mangé au secob kidnapping, détournement camion, vol ak divers lot zak malhonnête, t'es choisi quitter baby, pas parce qu'elle c'est chef gang criminel, mais plutôt pour une autre raison. Nous t'ai marché à cause de jalousie que li t'a fait. Pour téléphone moi tout ça et puis il te dit des bagages qui pas faire plaisir et puis Pendant la réfléchie des barreaux, Géraldine Jean dit le pas prêt pour bailler l'autre femme pareil au conseil. Police nationale là sous leadership commandant chef monsieur Ramon Ormil déterminé pour combattre banditisme là sous toute forme. Où ce chef gang? Nous sommes gardés Adine de son vrai nom Géraldine Jean qui remet avec chef gang Bizoton 53 qui c'est Bibi. Oui, lui prouvé, lui avoué, lui remet avec monsieur tout bon vrai. Il veut connaître, il va connaître zam manche long nan men Bibi. Yon chef pas marcher avec zam manche long. Et fait qu'on est li kon remarqué gen nèg avec zam nan zon nan kapre le baby chef là. Tenez bien. Et ensuite li fait qu'on est li pas habiter même côté avec baby. Li remè avec à distance, c'est dans téléphone nous va parler. Et puis le bezin bay baby yon vient écraser, li kon bali, li kon pote le bali. Après ça baby kon bali l'argent payer l'école pour lui. Mais Géraldine fait qu'on est li gen vrai ménage li qui pas gang. Le policier a posé question, est-ce que vrai ménage a connait que li remet avec baby? Il dit non. Il pas connait. D'ailleurs nous tande et ça plus grave là leur mandé dame là pour vont conseil bay l'autre mesdames yo pour s'arriver là pas arriver. Il dit lui même il pas mieux placé pour bay conseil. Parce que une femme c'est lui pas connait pour qui raison pour lui pas remet avec un bandit. Géraldine fait qu'on est pas grand parent qui supporte il. Situation difficile là même, les grands petits soubral, la femme qui est pour le payer, il est obligé de chercher un autre monde pour supporter il. Bon, mesdames, vous avez développé une relation avec gang yo, parce que gang yo plus bien payé, yon gang a en femme 25 000 goud, 30 000 goud par jour, allez voir pour un nèg. Cap touche un cob. J'ai un gars qui travaille là. Il a travaillé. Les mois. Il paye l'argent ça. 25 000 goud, 30 000 goud. Hein? Quand il y a un gang qui a fait madame, 25 000 goud par jour. Où est-ce que tu as dit femme là? Où est-ce que tu as dit? Ou même, l'autre touche 25 000 goud là. Par jour. 30 000 goud par. Et les mois. En tant que bon ménage femme là. Ou pas qu'à lever tout le bali non? Oh! Faut acheter parfum, faut acheter pâte, brosse, hein? Faut acheter des odorants, et ensuite, faut acheter tennis, faut acheter la bête. Après ça, mais si vous avez 10 000 gouttes, hein? Mais vous avez quitté ce problème dans le monde pour gérer tout, gérer Kaila, hein?
est-ce qu'on lever tout colère la femme là? Non. Yo gang qui gagne l'argent kidnapping dans mille, l'argent boss yo ba yo nèg dans cité privé. Yo lever 25 000 ou 30 000 ba en femme. Il va faire aucun effet sur quand c'est l'argent qu'elle gagne déjà. Sur l'argent qu'elle possédait, 25 000 ou 30 000 goud, pas qu'à intimider. Hein? Ou perdit femme là. Ou perdit. De toute façon, nous attendons et puis gardons Géraldine Jean qui a vu Will la gang là, le remet avec un chef body, mais pour que ça le remet avec elle, il va mieux placer bail conseil. Bail conseil, pardon. Bon. Et dans l'entrée droite, dans le dossier prémisse là, qui débarque là, dans nos pays avec une délégation, PM débarque dans nos pays, nos buts bien déterminés. Premier ministre là, l'aller là, dans objectif pour qu'à contrer avec autorité yo qui dans nos pays a, et ensuite hein, pour qu'à font chita parler avec yo pour qu'on qui gens ça va lier. Donc premier ministre là et qui c'est Gary Conille, il faut coup de pied là dans nos pays a. Oui, là dans nos pays a yo façon pour le cas contre avec autorité yo, pour chita parler pour dire ça qui est nécessaire. Tenez bien. Gary Conille avec équipe li non bi bien déterminé yo débarqué dans grand pays ya. Yo débarqué là yo chita tête pour tête avec autorité yo, yo parler. Yo parle, et ensuite, m'a gardé casquette PM nan, c'est tout écrit PM là-dedans. Hein? C'est pas AM non, PM. Premier ministre là, li rive au cap, li décide pour parler avec autorité yo, pour qu'on ki jan, pour ka gardez qui ça au café pour nos pays. Parce que, de vous dire, en nord, vous dites un lieu touristique. Oui, un lieu touristique. Premier ministre, là, lui fait une grosse déclaration pendant que nous nos pays. Il parle et premier ministre, là, dans la journée jeudi 22 août, là, premier ministre, là, avec délégation, hein, qui est la donne, membre gouvernement avec plusieurs membres dans le côté diplomatique là, qui accrédité dans le pays d'Haïti et débarqué dans la ville au Cap. Visite ça, d'après Primati, c'est pour le premier ministre là, capable de chita parler avec les gens qui concernaient l'autorité locale pour garder. Hein, comment au cap y est et puis garder qui ça qui fait sous plan économique, politique et touriste. PM nan fait qu'on est tout, je vais faire coup de pied là pour aller non sous canal là. Canal Wanamit. Nous avons remarqué que le travail qui a fait sous canal là, parce que PM nan pour arriver sous canal là. Le travail qui a fait. Nous avons une machine, hein, l'État, hein, qui a dit qu'il a fait drainage, il a bien rangé le terrain pour qu'il recevoir PM. Débarquer PM, pour aller débarquer sous le canal Wana maintenant, le gouvernement dominicain va content. Il va content. Mais vous remarquez que nous avons dans le gouvernement depuis. Luis Abinadel humilié gouvernement haïtien pour ben Abinadel réponse, il a le prend ou lui sur canal là. Ça me clair. Depuis Dominique humilié gouvernement haïtien non pour ben réponse, il a déclaré il ont bagage sur canal là. Ou bien tout, il a débarqué sur canal là, vinn bay Luis Abinadel réponse. Mais moi ça m'a pas conseillé l'autre monde qui wèl tout. Tendez non. Premier ministre fait connait tout.
dans le dossier sanction Michel Joseph Matelia, l'État haïtien a une responsabilité pour demander aux États-Unis de partager l'information avec eux pour comprendre ce qui passe Matelia. Déclaration PM. Lui mandé faut qu'il joigne bon gens information pour partager document yo avec l'État haïtien. Kounya leur partager document, ça va faire là. Et connait pas connait Matéli son doc dilé. C'est connait pas connait Matéli son corrupteur et connait pas connait Matéli son dilé drogue. Est-ce que c'est connait ou pas connait Michel Joseph Matéli son bandit légal. L'a demandé pour nous joindre information pour partager information avec nous. Est-ce qu'on est pas connait non Matéli cité dans tuer Jovel Moïse? Est-ce que c'est connait pas connait Matéli gagoter l'argent pour Caraïbes? Nous vous foulay. Leur ba nous document, est-ce n'a pas arrêté Matéli? Non, bon Matéli c'est le chef dans pays là. Mais son ba Matéli a dirigé pays là, c'est lui il gère tout ça qu'a fait dans le pays là. Hein? Caraïbes foulay. Gars qu'on va faire foulay. On va faire foulay parce qu'on va pas arrêter Matéli. Mais ça aussi il t'a déporté Matéli voler dans pays là, non qu'arrêter. Hein? Bon Matéli boss nous, il patron nous, on fait foulay. Bon. Nous tande nous qui jette coquin cap jouer là, jette mesdames et jette mesdames dans livre, livre tout côté. Hein, livre tout côté même la justice, même saisi là. M'saisi tande Edwin Tonton jeune libération. M'saisi. Edwin Tonton avec tout comptable jeune libération. Bah ça moi même, il fait pas dormir. Hein, il fait pas dormir. Tendez non. Ministre de justice là qui c'est Maître Kalo Hercule, li libéré Edwin Tonton avec tout comptable. Hein? Et nous connaissons comptable ça qui c'est Maître Robinson Pierre lui. Imaginons, ils se sont signé un rapport, ils ont épinglé Edwin Tonton dans la corruption, Maître Kalo Hercule pour libérer, Maître Robinson Pierre lui-même, qui c'est ancien, hein? Ancien, comme qui c'est ancien Clémis et tout, il a tout profité. Libéril. M'saisi ba ça. Tenez bien. Dame ça, qui joue une libération là, qui c'est Edwin Tonton, elle se sorti un rapport, hein, et yo te cité non la corruption. Yon corruption en dans CAS. Eh bien, je libération. Edwin Tonton, ancien directrice CAS, qui te boté tout l'argent ça et CAS là, ensemble avec ancien comptable en chef là. Tenez bien. Richard Vallès joigne libération. Dans journée mercredi qui était 21 août là. C'est juge de la cour d'appel Port-au-Prince qui libéré yo pour cause humanitaire. Décision ça vini après avocat yo te fait demande on me levé pour yo. Mes amis, nek ki nan corruption, nek ka prendre balle dans pays d'Haïti, yo jwenn me levé pour yo. Pour qui ça moi-même, m'pa ka jwenn yon me levé pour magistrat Moria qui c'est Blaise Élisée dit apôtre Mori. Edwin Tonton gagoter l'argent pays ya nous jouons Maître Robinson capoter balle dans pays d'Haïti nous jouons me lever pour qui ça pour magistrat apôtre magistrat Moria qui c'est Blaise Élisée pas ca jouons me lever hein. On a et là nous pas d'accord avec même gon a fait colonne qui bat. C'est vrai Edwin Tonton Maître Robinson Pierre lui
Bon, cap jouer là, on va monter quelque chose là. Négocie ses amis oui. Ses amis, mon qui fait mes lever pour les amis oui. Les hommes ont tombé dans Trump, tout monde wel, tout monde connaît Trump là. Yo obligé arrêter, y a dit mon cher, d'accord pour petit prison. Mais pas inquiéto, m'a fait tout ça me connaît pour me nommer lever pour calibrer parce que ça fait là, il mérite prison. Faut nous respecter la loi. On connaît. Si on va arrêter là, on va dire ceci, on va dire cela. On va prendre prison tout petit, mais plus devant, on va faire me lever pour vous. Si on va faire me lever pour la plus mal. Si on va arrêter la plus mal, il faut d'accord y arrêter parce que nous arrêtons après la rue, mais après on va libérer. C'est quoi ça, la fête là? Et quoi ça, jette là? On jette coquin, on jette mesdames. Ok. On va comme ça? Eh bien, ministre justice là, qui c'est mettre Carlo et Kil, il a accusé Lila dans le trafic. Influence dans plusieurs cas légal. D'après et sa Pierre Espérance révélé, il fait qu'on cite comme exemple, lui lagué Madame Edwin Tonton, qui c'est un ancien client Maître Carlo Hercule, il était avocat sous même dossier ça avant il était ministre justice. Kounya mais Carlo est le ministre de justice. Comme Edwin Tonton était des clients pendant le ministre de justice là. Lui font m'élever pour lui. C'est là où te colonne qui bat là. Nous par contre, je capte là. Je te croque, je te mets dame. Tenez non. Là, nous avons pas PSP raison. Tenez bien. Ministre, Hercule, t'as fait tout. Tout ça qui est possible pour jouer une libération, madame Edwin Tonton. Dans coup d'appel, malgré qu'il ait été arrêté Madame Edwin Tonton pour corruption, pour il a gargoté l'argent dans CIS, d'après le rapport ULCC. Et en plus de ça, il a servi à position li pour le jeune libération, Maître Robinson Pierre-Louis, un ancien client tout. Qui était impliqué dans le dossier trafic munitions. Même si vous ministre, c'est français. Dans le dossier trafic balle, cartouche, dans le port de paix, côté la police te saisi plus passé 120 000 cartouches à bord un bateau. Miss Lily On, dans bateau Miss Lily, qui était arrêté, Maître Robinson Pierre-Louis. Étant donné, Maître Carlo Hercule était avocat, yo. Imaginons, mettre Carlo Hercule, tu te prends l'argent, mais yo, mettre Carlo Hercule, vin ministre de justice, il tout profite, libérer client yo. Hein, il tout profite. Le jour qu'il y a pays tout bon vrai, ni mettre Carlo Hercule, ni moun sa qui libéré, il a retourné des baou. Nous met ferme confiance, nous met marqué samedi à la malé, rendez-vous. Dans la prochaine émission, pour qu'on ton autre dossier. Pas oublier, Janel, ça c'est pour 1669. Je vous demande pour like, abonner, peser sous cloche notification. Retirer sous personnaliser vidéo sous tout. Pour les nagons vidéo, pour pas rater. Eh bien, équipe qui l'a, yo prend décision pour libérer qui est Edwin Tonton, qui c'est Madame CAS là. Il y a des gens qui pas de nouvelles, ça qui étonné. Oui, il était encore dans prison, il pas jamais libéré. Il était dans prison mais désormais moun sa yo été arrêté pour corruption qui c'est Edwin Tonton et Pierre Richard Vallès. Eh ben yo libéré entre guillemets pour des raisons humanitaires. C'est ça. Bon, m'te remarqué madame Navrel t'a marche en kayak, mais m'te wel bien en forme. Elle t'a gardé là, ça a dit ça t'assemblé dans prison, elle fait vie rêve bien tranquille parce que m'te gardé le moi bien en forme. Mais elle dit que il pas en forme, il pas fin OK, etc. M'pa konnen. C'est mot de passe tout ancien dirigeant tout monde dans pays ça. Donc ancienne directrice CAS là, Edwin Tonton et puis ancien comptable en chef institution ça. Pierre-Richard Vallès, il est libéré provisoirement par la Cour d'appel de Port-au-Prince, journée mercredi 21 août 2024, là, pour raison saoudite humanitaire. Donc, santé au Bafinoké. Accusé de trafic d'influence dans le cadre des affaires qui ont pour l'argent qui détournait pendant l'administration Madame Tonton dans CAS. Donc, il a été arrêté en avril 2023, pendant que il était venu répondre à une question juge instructeur Jean-Wilner Morin.
nèg sale depuis son nèg et ça te fait pile nèg pernicieux c'est pas nèg qui dans Zagreb monde qui pas pour un ken détracteur ti bluffeur et partisan gang qui gen qui kèw sauté parce que gen dossier gen les jumeaux à traiter gen non journaliste hein qui gen les apparaît dans quelque recherche qu'a fait et c'est ça et puis nèg commence à tacler les juges Morin là rapide. Eh bien c'est ça qui passe, qu'il faut regarder pile nèg k'ap essayer bagay là, on comprend. Eh bien justement, juge Morin était fin de madame Tonton, yo estime assez madame n'a gon un petit 4 seulement quoi elle gagne soit 80 000 goud sou li ou bien plus, un petit 4 seulement. Et s'il pas plus même, t'as gardé, m'songe m'te passion info plus te font tweet sur ça, ça fait un bon petit temps. Eh bien gon proche li qui dit nous autres passé 3 mois dans l'hôpital, qui donc gèl elle pas de fin en forme vrai. Eh bien finalement, eh bien gagnent la cour d'appel de Port-au-Prince qui décidait pour libérer mais et madame Tonton seulement pour ça libérer comptable à tout. Et il était l'hôpital tout. Eh bien pas connait, nous pas connait. Eh bien si y a grâce qu'a fait, gon paquet prisonnier là, ah ben bon tout aller nèg ça. Mais arabe sorti là au bal nouvelle pour de bon moi. Gon mais côté arabe, mais arabe là, arabe vin là au bal nouvelle pour de bon moi. Gon paquet prisonnier là qui a souffri, qui dans situation compliquée, qui pas ka joindre libération, yo ta arrêté dans rimage, qui poko jam passer devant juge parce que là gon ti problème tout oui. Et pas parce que madame nan libéré mais ou avèl, si yo estime que le mérite libéré, OK, mais pour qui ça Haïti? Tendez Pierre Richard Frem. Tendez Pierre Michel. Haïti n'a pas justice qui a plusieurs volets. Nous avons justice, même avocat parfois, oui. Gen dossier ou avocat, yo tout tout pour aller dedans parce que dossier ça gagne l'argent, c'est logique. Mais gen dossier tout ou avocat rien cas là-dedans. Hein? Là gen petit problème. C'est bon problème qui gagne. Nous jouons Mette Blaise, mais n'a pas essayé de prendre l'autre numéro. Mette Blaise, ou pas qu'à essayer l'autre numéro pour essayer de passer sous lui, non? L'autre là. Ou essayer de encore sous lui. Je vais trouver sous terre. Je vais sous lui encore, Mette Blaise, pour essayer de passer la passe plus correct. Tendez bien, oui. Ça dit Haïti compliqué parce que nous avons justice à plusieurs volets, plusieurs niveaux. Ça dit merci, Mette Blaise, l'alvini, nous jouons. Tendez. Nous avons justice à plusieurs niveaux. Comme si laissez malheureux et malheureuse, ils ont forme justice. Laissez-le qui gagne l'argent, le conforme justice. Imaginez que, et regardez comment on est en courrier libéré pour ça. Il dit pour raison humanitaire. Gagne un jeune là qui est en prison là, qui gagne 10 ans de fermé là, qui tébé, oui, qui fait maladie, tuberculose, en dans cellule, là, on va avoir un soin. Mette Blaise avec nous, on va faire un petit peu avec tout de suite. Merci, Mette Blaise. Tendez, oui. Ça veut dire, il y a un petit jeune là qui est dans la prison, qui a été arrêté, qui a été pris en arrimage, jusqu'à présent qui fermé, qui pas jamais passé devant juge naturel. Yo. Alors que gros autobréo yo devant juge presque chaque mois, pour yon attendre, tendez ici, tendez, madame n'a tellement marché, puis elle fait le mal devant le tribunal. Alors que chargé l'autre qui est dans la prison depuis 7 ans, depuis 10 ans, qui pas jamais passé devant juge, qui a attendu là. Sous quoi est mon tom fait? Attendez, côté arabe. Kounya arabe, les amis, m'lié, ou papa? Oh, kounya le arabe parle là, ici, tete le site, le voye nouvelle, bah, côté arabe. Joseph, Zouke, c'est lui voye Ariel Ali. Hein? L'est-ce lui voye Ariel Ali, quelle raison, lui? Hein? Parce que l'homme garde pour lui. Si l'homme te déclare, c'est Claude Joseph qui va ni plus parler avec lui. Ça, dis-moi là. En tant que premier ministre, il te est là. C'est lui te vend plus balle, plus d'âme à qui l'appli. Je dis, nous ne pouvons pas prendre parole si la pluie à la légère. C'est même je lève avec vous parler. Tu tapes Claude, mais pas ça besoin. Je ne sais pas faire ça. Faut qu'on ait tout le monde qui tombe dans le quartier populaire. Massacre la saline, massacre même. Prisonnier au Dim. C'est ce qu'on côté territorial de visite fanatique avec ça. Qui fin gangster ce pays. Et puis, on fait une association malfectée, 9 membres. Je dis, crée présidentielle. C'est peut-être ça nous-mêmes, Nabgoumé et Nabgoumé pour prisonnier. Terriel Télis. Terriel Télis. Prisonnier au Dim. Hein? Souvenez-vous qu'on compte pour les protégés de visite fanatique. La prison pour aller? Aller dans la prison pour aller voir 4-5 ans, 6 ans, pour être toute diligence pour mettre la joie en charge pour aller dans les terriels. Et mon seul tété, ou pas? Parce que qui ça le besoin de la bouche terriel, côté terriel demande libération. Moun qui dans la détention préventive prolongée, moun qui innocent yo. Tête canade, pas de relève, pas de réponse. Oui.
N'ap salye chaque grain haïtien à travers monde là. Merci, merci, merci. N'a tourné sous et arabe parce que là on pral fanti par la professeur Gabi Blaise, mais c'est pour, juste pour me dire monio, c'est que effectivement sortant d'arabe dian, c'est que gon paquet moun ki nan prison qui pas jamais passer devant juge naturel yo, alors que y a souffri. Seul yo gon grain avocat jodi a cet été. Kon y a di mete tete avocat peuple là, il pa gen avocat peuple encore, tout nèg a chercher manger, jeune ça a chercher puis au bagage. On a le fonti par la mettre Blaise parce que là donné au bail au mélanger dans même. Professeur Blaise Frem, comment nous y est? Salut, Thierry Télus. Et avec ce simple état là, parce que vous connaissez qu'on décalage horaire. Oui. Et puis. Il faut retourner en Amérique, papa. On va arrêter côté l'autre bois net. Mon cher, dès ton bel film, oui. Professeur Blaise, au coin de deviner le haut, c'est que Gébaï nous pas fin de comprendre. Il a dit Gébaï que nous besoin clé sous les mains. Mais avant tout, comment sent-on? Est-ce qu'on est en forme? Santé en forme, nous fatigués, et puis dans cette actualité qui est un peu dominée, non? Mm-hmm. Parce que quand même, Haïti, c'est pays, nous, nous passionnés de lui. Et nous, on a dit, c'est seul pays, nous, même le nom à l'extérieur, mais c'est seul pays, non, parce que nous, avons un c'est salon, donc ça peut être attaqué, santé, non, quand même, mais on a résisté. La résister. Même j'en avais nous toutes ou fait nouvelle ou lit dans journal ou tendez radio ou tendez en pile réaction ou suivre réaction sur les réseaux sociaux. Et hier dans l'émission Anticozac TT, m'étais même cité en tweet côté fait hier, côté dit une possibilité par rapport à tout ça qu'a dit yo pour la justice haïtienne capable agir sous sanction yo. Avant tout, qui ça voilà, est-ce que c'est juriste à poser question ça, mais comme citoyen, qui sa sanction Michel Martelly vle di pou? Comment on vous prend nouvelle ça comme citoyen haïtien? Écoutez, on pas vle centraliser débat sanction ou mesures de sûreté États-Unis pour aller en compte de monsieur Michel Martelly, ancien président Michel Martelly. En tout cas, centraliser la à ancien président Michel Martelly. Pour qui ça? Parce que c'est vrai que nous reconnaître et sanction mais monsieur de sûreté m'a prédit que les États-Unis prennent à l'encontre de l'ancien président les grandes gravités par rapport avec les conséquences aggravantes, les grandes gravités et par rapport avec l'autre sanction États-Unis. Parce que ce n'est pas seul Michel Martelly qui fait revient des sanctions des États-Unis. Nous avons ancien l'ancien sénateur, nous avons ancien député, dont par exemple Gary Boudou, Nenel Kassi, ancien, l'autre ancien premier ministre, M. Lamotte, etc. Bon, mais tout là, il y a quelques sous écran là pour Mounio Kawé. On met parler, oui? Oui, ancien président privé. Mais c'est vrai que, faut non sincère, en, pas sanction qui prend à l'encontre de Michel Martelly, il y a eu lieu gravité particulière parce que lui gagné sa crée, il a accusé lui de trafic illicite de drogue. Donc, exactement. C'est beaucoup plus grave que Ratio, effectivement. Mm-hmm. Nous avons pas décentralisé là avec l'ancien président Michel Martelly pour une simple raison. En simple raison de, en question de, parce qu'au compte ça a été, et moi-même à chaque intervention m'a fait, pour peut-être que c'est ça qui dérange en pile l'autorité politique haïtienne, pas toutes, c'est parce que moi toujours voulais faire intervention mieux, pour propos mieux, par exemple, dépourvu de neutralité, ouais. Ou pas dépourvu tout de indépendance. On a toujours été indépendant, on a toujours gagné une sorte de neutralité. Peut-être ça que, je ne pas appeler prendre position pour que quelqu'un ait objectivité, je ne pas aller prendre position sur aucune intervention que m'a fait. Et si ça fait que moi, remets chaque heure, ou invité mon relais pour participer dans le débat avant, pour discuter d'un sujet, et je ne pas refuser parce que j'ai toujours quitté ma indépendance. Point. Pour quitter ma neutralité, pour pas demander mon position, pour demander mon point de vue juridique. Ouais, et ça te fait me dire c'est le citoyen. Mais vous comprenez. Maintenant, nous voulons comme si, pendant qu'on parle de particularité de gain dans le dossier Michel Martelly, c'est parce que vous parlez de drogue. Comme professeur, comme juriste, comme docteur, dis-moi, professeur Blaise, un monde qui est impliqué dans le trafic illicite de stupéfiants, en particulier l'on parlait de trafic de drogue, est-ce que moun sa gen yon peine qui est réservée pour lui et qui ça veut dire même trafic de drogue là? Avant même que nous, peut-être que ma pine en profondeur sur question là, mais trafic illicite de drogue,
c'est peut-être dans tout pays du monde, après que même Nations Unies. Nations Unies fait une cellule, même c'est de ainsi organes à part qui est occupé de questions de trafic illicite de drogue, parce que lui, il est donc particulier et gravité pour qui ça. Parce que drogue, j'en ai décision, non, décision, il faut pas rien, ni mon tabil tout, et tout à l'heure, dans le propos, c'est que lui implique un paquet de bagages, lui quand il un paquet de bagages, lui déstabilise un pays, lui vient faire que au cas entrer dans blanchiment, et ça fait tout à l'heure, moi, t'as parlé de questions de monde qui s'est font des cantations entre qui. Et ces groupes musicaux, ancien président Michel Martelly avec Michel Martelly, je pense que c'est mon PD et ancien président Michel Martelly. Mm-hmm. Parce que au contraire, parce que groupe là, c'est un moyen de blanchiment d'argent lié. Et groupe musical là même, c'est un moyen que l'ancien président a utilisé pour blanchir en l'argent que gagne, que l'idée, par exemple, que l'argent, si l'argent lui sorti, son argent sale, qui sorti dans le bureau, qui sorti dans la corruption, au contraire, c'est un groupe musical ça que l'idée a blanchi. Parce que qui s'est passé? Le bon groupe musical qui a joué, donc c'est comme si on gagnait en compagnie d'essence, en compagnie en service d'essence, c'est que pas prendre l'argent en espèce. Mm-hmm. Donc mal quand on notaire, moi dis notaire, écoutez, monsieur John Ball là il a rapporté 300 000 dollars. Il dit Ball là a rapporté 500 000 dollars. Non, professeur, t'as le parti ça, c'est important, oui. Parce qu'on est bien on t'attend, même si on a dormi, on t'attend quand même. Et tu parti ça important. Ça veut dire nèg qui a fait promotion Ball Martelly, yo promoteur, animateur, artiste yo. Ça va veut dire yo pas à l'abri non là, parce que yo ka c'est comme quoi mi qui capable utiliser pour blanchir l'argent. Écoutez, on pas aller pour me conclure à culpabilité aucun monde, mais hein? Effectivement en réalité Rété. Juridiquement, c'est un moyen pour blanchir l'argent. Et si par exemple que bien 50 promoteurs dans 50 promoteurs ça yo, et par contre moi c'est un trafiquant, on prend chaque promoteur bah 500 000 dollars américains, et ou bien bah par contre chaque mois je fais comme la passer dans un mois, deux mois, trois mois, etc. On prend chaque promoteur bah encore bah la mettre réunir 10 secondes d'ailleurs vont pratiquer fait dans blanchiment même, et ça c'est pas moi même qui viens avec, j'ai pas inventé, il sorti même dans en Italie, parce que la grande mafia, la mafia italienne à Naples, c'est ça que vous connaissez. Par exemple, que moi, il y a des restaurants, après les restaurants, ils m'ont payé en espèces, bal là, bon, les patrons là, à l'époque. Mais si on trafiquant de drogue, ma prends 50 promoteurs, ma baille au chaque 300 000 dollars, 500 000 dollars, bal là, je vais même acheter 4 ou 4 ans, je vais 4 ans, je pas même vendre même, et puis à la fin, à l'issue de soirée, ils m'ont dit que je vais rentrer 500 000 dollars, que je vais rentrer 1 million de dollars. Puisque le ballon a été affiché, moi, j'ai compris ce qui est fait pour lui, malgré un notaire, moi, j'ai dit, mais comme ça, je vais recevoir un chose. Les notaires ont dit, je vais faire une déclaration de soupçon parce que j'ai une soupçon sur moi. Je dis, notaire, non, parce que j'ai tel ballon qui a été affiché, tel le ballon l'a fait, et le notaire n'a pas refusé, mais parce que, effectivement, que le ballon a été fait, je vais rentrer 500 000 dollars. Donc, ouais, ça me donne. Donc, et là, la grande dangerosité, effectivement, même pour le moteur, je ne vais pas dire ça lié. Mais même promoteur qui a un moyen effectivement de blanchiment d'argent. Même promoteur. Bon. Eh bien, on retourne dans la question. Donc, question trafic illicite de stupéfiants, trafic de drogue, il est considéré comme étant un crime, c'est pas ça? C'est un crime très sanctionnel. C'est peut-être ça que ma pépette nous fait une introduction tout de suite en mise en contexte. Mm-hmm. Sur question de sanctions même. Et dans toute grande démocratie, en tout cas pas seulement grande démocratie, mais on dit dans tout pays qui est organisé, il y a trois manières que vous contrôlez la moralité. La moralité veut dire que, par exemple, que mon nom, il manque de dignité, il manque de probité, il manque d'honneur, il y a une action qui est amorale que les commettent. Maintenant, la moralité, ça, il y a trois façons pour qu'on contrôle. Première façon, c'est en procédure administrative. C'est-à-dire qu'il y a une institution indépendante, une autorité administrative qui estime que le comportement individuel est anormal. Le comportement anormal, il dit écoutez, mon femme a une suspicion sur lui, ma fait une enquête administrative. À l'issue de l'enquête, quand on dit pour mesure, c'est peut-être que moi-même, moi, pas. Juridiquement, pour moi, ni la France, ni les États-Unis, ni le Canada, ni l'Union Européenne, ou même de la France, côté que moi, actuellement, pour moi, moi, estime que le vocable sanction est inapproprié. La France utilise, l'Union Européenne utilise, l'Union Européenne utilise et le Canada utilise, pour moi, il est inapproprié. Parce que
l'on parle de sanctions, ou est deux bagailles. Sanctions pour le bon caractère punitif, et pour sanctions, tout le divini dont on s'annule pour les de nature juridictionnelle. Son juridiction cap en sanction. Maintenant, alors que non enquête administrative, ou pas en sanction cap en des mesures de sûreté contre le monde. Pour qui ça? Parce que le ou bon pays, ou estimer que qu'un comportement ou individu qui est dangereux, j'aime ça dire, par exemple, on a laissé trafic en drogue, on a la fait corruption qui sont crimes transnationales, ou estimer qu'on est un territoire là en danger. Parce que pour qui ça vous prend mesure ça, c'est pour protéger le territoire là, c'est la protection du territoire national. Ou dit que, mon ça, comportement les représente une menace pour l'ordre public pays, non, parce que les rentrent dans le pays avec drogue, drogue n'a pas le détruit tout le monde dans le pays, hein. Drogue n'a pas fait tout le monde entraîner. Parce que l'on a drogue, j'en suis dit tout à l'heure. Donc, vous posez une question. Drogue veut dire qui ça? Drogue veut dire sang. Drogue veut dire transaction criminelle. Drogue veut dire tuer. Donc, il détruit un pays, il déstabilise. Et lui-même, il vient arriver dans la question de commerce déloyal. Parce que l'on a une drogue, on va prendre un cobre blanc. Vous mettez, par exemple, il y a un paquet de cobre normal. Li prend li utiliser li mette l... Non n'importe Jean Vlé al nan club gaspiller le voyer nan la mais voyer l'en l'air ou comprendre ça m'dou li pas c'est pas sué pour lui et li ka entrer li font commerce ou même commerce avec li vend à perte yeah. Et que l'a bon produit à $2 li même li tout ça pas gagner parce que li vend à 50 centimes concurrence déloyale voilà concurrence de $2 merci maintenant kounia tout ça yo vin fait que kounia moun nan li gon comportement dangereux. Comportement ça, pays en dit écoutez, comme sécuriser le territoire, non, m'empêcher mon ça pour l'accéder à territoire, non. Ou bien si mon nom est sous territoire, tout moi décidé pour m'expulser. Ça fait à l'heure de dormir en téléphone, mais moi, tu as besoin de qui est important. Mm-hmm. Par exemple, ma parenthèse sur question de éventuelle nationalité haïtienne et Michel Martelly, il est résident. Ou bien le tas de nationalité américaine. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, même l'état de nationalité américaine. Pour qui ça? Parce que lorsqu'on nationalité en pays, ou qu'on prend par acquisition, qu'on prend par naissance. Normalement, sauf erreur de ma part, Michel Martelly, c'est une nationalité américaine, les nationalités américaines par acquisition. Ouais. Maintenant, lorsqu'on prend par acquisition, vous êtes dans un pays, on prend un nombre de temps, on remplit conditions, on fait demande de nationalité au baoul. Attention, on ne pas gagner pour la vie. Claire. On ne pas gagner pour la vie. Lorsqu'on comportement, il y a des infractions ou commettre. Automatiquement, yo condamné après condamnation, yo une peine complémentaire contre vous-même. Vous finissez condamné à 20 ans d'emprisonnement pour drogue, parce que ce sont des gens qui ont impact qui relevé dans particulière gravité, vous pas tolérer ça du tout. Vous estimez que vous êtes dangereux pour le pays. Hein? Non, pourquoi aller vite? Combien de temps vous pensez que vous avez? Alors, si vous avez bali, combien de temps vous avez capable? Si vous avez bali, par exemple, je ne sais pas si vous avez les sessions américaines trop bien, mais normalement, si on a impact comme ça, Lina qui a 20 ans, 25 tout. Ouais, Lina qui a 20 à 30 ans d'emprisonnement. Yeah. Maintenant, parce que c'est pas seulement, c'est pas vente de parce que les mêmes décisions, sans sanction, il pas marqué vente, c'est marqué trafic en fait. Là, c'est beaucoup plus grave. Trafic. Maintenant, trafic là, les vins dépassent les frontières, les vins ont une infraction transnationale. Maintenant, l'offre purge peine, ça a connu. Tribunal, ça procureur de la République, pas oublier l'offre exécution de la peine est relevée de l'autorité de poursuite, qui c'est le parquet, qui c'est le procureur fédéral aux États-Unis. Procureur ça connaît à la fin de demande pour dire monde ça est tellement dangereux d'état qui est nationalité américaine dans le pays non. On ne peut pas supporter parce qu'il faut perdre la nationalité. Le ça au fond demande devant autorité administrative pour déchu mon nom de nationalité. L'offre déchu de nationalité automatiquement il est dans le pays. Donc pas gain secret et là dans tous les pays du monde c'est comme ça. C'est d'ailleurs la politique migratoire, l'Europe, Canada, la France, les États-Unis, c'est presque même bagarre là. Presque même bagarre là. Donc c'est que même l'organisation américaine, ou pas faite dans le pays, hein, ou pas Amérique, ou pas l'organisation américaine, ou française, ou canadienne, de souche, l'ende ou bien, ou pas faite dans le pays, hein, ou pas de nationalité de souche, c'est acquérir acquisition à n'importe quel moment où on a déchu de nationalité. C'est peut-être ça qu'il y a des infractions que ou pas qu'à faire. Ou pas tous les offres. L'offre, le cas prend la nationalité dans le monde, c'est la perte de nationalité. Ah. Donc, c'est pas parce qu'on gagne la nationalité en pays qui fait que vous pensez que vous n'avez pas prendre la mort après ça pour tuer le saut. Alors, pendant que je dis ça, c'est Fontigade justement, parce qu'on a connu assez One Click, des Fontigade en anglais. Et il dit que obligatoirement, on moun, par exemple, vous prenez un drogue, si son petit bail, substance qui n'est pas tellement exagéré, minimum non, il y a de 1 an à 3 ans. Donc 90 days.
Cependant, si son moun par exemple qui nan niveau trafic drogue là, il y aller de 20 ans, il quand même aller jusqu'à la vie dépendamment, et si son bah qui répété comme si son nèg qui son narcotrafiquant qui répété, il y aller jusqu'à 30 ans et plus, et si c'est dans cadre d'une large opération comme un gros baron drogue qui a coûté par exemple plus de 10 millions de dollars par année par exemple à faire dans drogue, il a coûté la vie même en prison. Ou mettre devant ces